So the lab has been destroyed. Hojo has been killed. And Kato has gone missing, chasing after a monster. Yes. Hojo, that miserable failure. Yes, Master. Fools, all of them. Minister, are you all right? Yes. Please, you must relax. Think of your health. Quiet. This is nothing. Please, Minister, you must relax. Garan. Yes? This young thug, Yuri, who is he anyway? I believe he's the man who stopped Rasputin's plan to conquer Russia. After that, he came to Japan, chasing after Nikolai. Special Agent Kato tells me he is the son of Hyuga from the Secret Service. Yes. This man is the son of a patriot, so why? I do not understand. Why does he insist on causing me pain like this? Oh. Even though I only have a short time left in this body of mine. Minister, you mustn't say such things. Garan, destroy this Yuri. I cannot allow anyone to stand in the way of my plans for a new empire. Trust me, my lord. I, Garan, shall put forth my best effort. Just go. Hyuga, don't be angry with me. But I will not show mercy to an enemy. Even if he is the son of a cherished friend. Merci, Mehdi. I understand the situation. I want you to work with Yuri and his companions. Help them any way you can. But don't you worry about Yoshiko and me. Ishimura can't touch us as long as we're in the capital. Actually, from what I hear, he has his hands full with his own problems. Yes, sir. I'll go with the others, then. Good. Mm-hmm. Where could he have gone, that bastard? You've got to take it easy. Worrying won't help us find Nikolai. You think I don't know that? Don't talk to me like my mother. The thing is, this isn't the Nikolai we fought in a pointed tower. He's a million times more dangerous. Is it because he's been taken over by Astaroth? He tried to control the soul of a demon and claim its power for his own. But the demon was stronger, so he's the one who wound up being controlled. So Nikolai and Astaroth are sharing the same body? Yeah. I think Nikolai's in there somewhere, but it's Astaroth that has the power. Now the demon is free. I'm afraid to think of what it might do. Oh.
What's wrong, young Yuri? Sensei. You seem depressed. So, there's no hope, eh? Yuri? What happens when you find the monster? I'll waste it. You think you can win? Yeah, sure. Then go to Katsuragi. Katsuragi? Yes, the Forest of the Wind. There's someone waiting to meet you. To meet me? Who is it? You'll know when you get there. But believe me, that person will be able to help you on your search. Katsuragi. Sois un peu plus enthousiaste. Nous savons où nous devons aller, alors allons le dire à tout le monde. Ouais, d'accord. Ah, j'ai pas le choix. Je me demande quand est-ce que je vais pouvoir retourner en Europe. Ah ouais, un jour une victoire. Je me fiche que ce soit illégal, je n'arrêterai jamais de parier. Oui, d'accord, c'est un bonhomme de la loterie. Alarme. Bracelet fétiche. Oh, trop tard, beaucoup trop tard. Combien j'en ai? J'en ai 4. Je peux me permettre quelques folies. Quoi? Mais t'as rêvé mon gars? Ça allait tellement vite. C'était pas du tout la même vitesse que celle d'avant en tout cas. C'est exabusé. Ah merde, je peux pas me barrer. Bon. On va se faire une save sur la partie est, je crois qu'il y a un point de sauvegarde. Bah, il y a les poteaux aussi. Mais si ça va à cette vitesse, c'est mort. Hein. Putain, mais je suis nul. Ah, t'as vu? C'est relou un peu, hein. C'est peut-être bon là. Sinon c'est un poil trop tard. C'est bon. Par contre son bracelet fétiche, il va se le garder. Hein. Merci. Dispositif pour éviter d'être encerclé par l'ennemi. En vrai c'est très très bien ça. Hein. Allez hop. J'avais bien un truc contre la mort subite avec mon cher Yuri. Je suis pas allé au nord tout à l'heure. Ah bah, ok. Eh, vous deux, on dirait que vous vous amusez bien. Oh, Yuri, regarde tout ce que je viens d'acheter. Ils seront de bons souvenirs pour papa et Alexei. Oh, super. Alors on a enfin fini. C'est épuisant de te suivre partout où tu vas comme ça. De quoi tu te plains? J'ai très gentiment invité...
Je t'ai très gentiment invité à faire du shopping avec moi. C'est un privilège. Invité ? Je n'ai fait que porter tout ce que tu as acheté. Je dois vraiment être idiot. Tu as dit quelque chose ? Non, rien. Le pauvre, il se fait maltraiter par une gamine, quoi. Ok, c'est bien. À droite, le prochain rendez-vous. Let's go ! Je croyais avoir vu un truc, mais non, apparemment. Oh Yuri, tu es venu chercher Blanca, n'est-ce pas? Ouais, mais à le voir, je dirais qu'il a encore envie de se balader. A plus Blanca, je t'emmènerai promener quand tu seras revenu. Ah oui, en fait c'est rassemblement quoi, des troupes. Vous avez vu les adorables mascottes animales qu'ils ont à l'étranger? J'aimerais qu'on puisse en acheter ici. Il y a un nouveau recrutement de l'armée et du gouvernement pour les étudiants. Ils appellent ça Corps Jeunesse. Ça a l'air très bien, mais ça finira juste comme une autre partie de l'armée. Il y a un autre nom pour ça, c'est Chair à Canon. Apparemment, faut que je trouve d'autres persos. Qu'est-ce que j'ai là? Eh ben, il en manque deux. Où est-ce qu'ils sont planqués? Par là, je présume. Non? Je dois retrouver les autres, mais j'adorerais les retrouver. Il manque qui? Très bien. Il y a peut-être un building dans lequel ils sont. Where are you, Gepetto? Ah bah les voilà. Ils étaient pas là tout à l'heure, je crois. Vous êtes prêts à y aller? Alors, vous avez enfin compris où on va maintenant, hein? Super, je commençais vraiment à m'ennuyer. On est au complet. Choice. You were the only one that could fix that ship. Plus, I figured the bear would decide you were too nasty to eat. You expect me to believe that? You ran away screaming like babies. I never saw anyone run that fast. Ah, just like that. Is that right? Yeah, that's right. Okay. Time to let bygones be bygones. She's right. Let's just forget it. Le dirigeable est caché hors de la ville, prêt à décoller, bien sûr. Toujours le Japon. Ah, ben voilà. Se déplacer entre l'Europe et le Japon. Vous pouvez à présent voyager entre l'Europe et le Japon. Super. Évidemment, avec le dirigeable. Du coup, ce que je ferai, c'est que demain, je commencerai à regarder un petit peu ce qu'il y a en quêtes annexes. Puisque je pense que désormais, on va pouvoir en faire une bonne majorité. Même s'il y en a pas mal, ça se fait une fois qu'on a débloqué apparemment le dernier donjon. J'en sais pas plus. Mais du coup, on va se rendre dans cette fameuse forêt. La forêt du vent. J'ai qui avec moi là? La même équipe que tout à l'heure. Je vais reprendre...
Karine. En place de qui? Courant d'eau. Gepetto, tant qu'il est pas trop à la ramasse, je l'inclus pas dans le groupe. Ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Des escargots mutants. Ah, tu m'étonnes. Gaffe avec leur paralysie là. Sait-on jamais. From before. Yeah. It's from my earliest memories as a child. It's exactly the same. What are you two talking about? Huh? Oh, it's nothing. Wow, what a beautiful mountain! Mount Katsuragi. It's considered a holy mountain. Legends say that a god lives here. Wow. Is someone waiting for us? I think so. Did you feel that? The wind stopped. No! Okay. Ah oui, d'accord. Quel est cet endroit? Je parie que c'est tronche de bébé. Attention, cet endroit a l'air encore plus maléfique que le dernier. Ouais, c'est effectivement l'autre Gugus encore. Alors, y'a quoi là-dessus? Un hôtel orné de plusieurs bougies. Ça représente évidemment toutes les portes et tout ça. Je présume. Il est facile de venir, mais partir est terrifiant. Savez-vous comment sortir de ce purgatoire? Les fous qui passent sans cesse sous le même portique restent coincés ici pour l'éternité. Vous me faites marcher, encore en cavale? Pourquoi y a-t-il au Japon tant de routes menant à des lieux bizarres? Enfin, ce n'est pas grave. Là où il y a des clients,
Alors, qu'est-ce que ce sera? Est-ce qu'il y a du nouveau stuff? Je sens que oui. Ben non. Peut-être pour certains persos. Non. Ben, c'est pas plus malin. Ça facilite les choses. Bon. Je sens que ça va être marrant encore. Hein? La couleur de la marque sur le portique a changé. On dirait que la couleur des portiques change lorsque nous passons dessous. Je crois que j'ai compris. Il faut arriver à faire un parcours de sorte qu'on se retrouve pas à l'entrée. Enfin, je présume. En gros, faut pas repasser par deux fois le même portique. On va voir ça. La zone n'a pas l'air si grande que ça en tout cas. Plus que ce que je pensais en fait. J'ai le sentiment qu'il vaut mieux le fumer avant celui-là. C'est chiant. Je vais viser les extrémités pour les coffres. Je me demande s'il y a des objets de planqués quand même. En fait, faut toutes les allumer, les bougies, c'est pas ce que j'ai dit. Enfin, ce que j'ai dit, c'est à moitié vrai. Puisqu'évidemment, je pense qu'il ne faut pas repasser deux fois au même endroit. Puisque soit ça va me ramener à l'entrée, soit ça va les éteindre. Et je pense qu'il faut toutes les allumer. Si j'y arrive pas du premier coup, ben on va dessiner ça. On va se faire un parcours. Ouais, on voit sur la minimap où je suis déjà passé. Par contre, on voit pas l'entièreté de la zone, ce qui est un petit peu problématique, je trouve, mais bon. Là, je l'ai à peu près en tête. Reste à savoir si je vais réussir à garder le dessin.
Putain, ça suffit pas, ça. Ouais, bah je finis ça. Hein. Faudrait que je le prenne en photo quand même. Il y en a un qui va avoir mal là. Ouais. Comme je disais. Autant hier je galère avec sa roue à lui, mais là ça va beaucoup mieux. Hein. Soin. Là c'est pas forcément bon parce que j'ai pas fait celui de d'en bas à gauche. C'est pas très grave, là c'est le premier tour. L'idée c'est de récupérer les coffres. Faut pas trop que je change la roue, hein. J'ai le bon rythme là. Qui en a vraiment besoin, elle peut-être. Sur le début ça peut être bien, ouais, parce que des fois j'oublie que c'est au tout début ça roule. Oula, c'est quoi ce truc horrible? Un crapaud. Il est peut-être bien feu le crapaud. De toute façon, je le finirai pas là. Je pense pas. Il doit avoir plein de points de vie. Te voilà déjà, toi? Madame Cantine est arrivée. Un de ces quatre, elle va débarquer avec un plateau repas, quoi. Pas sur ça. Très bien. J'aurais dû faire un combo en plus.
Allez, je suis joueur. Tous les ennemis passent un tour. Mais c'est génial! Il y a vraiment des trucs trop bien. Par contre, je le vois toujours sur la priorité en haut. Bon. Bon, de toute façon, les paralyses. Ah, je crois que c'est le dernier que je dois débloquer. Sur les huiles que j'ai, en tout cas. Il faudrait que je trouve les autres. J'aimerais bien trouver une combinaison pour les PS. Ça, ce serait vraiment le luxe, quoi. En fait, je pense que je peux repasser dans certaines portes. C'est sûr même. Faut juste que je trouve la bonne combinaison en vérité. À moins que la dernière porte n'a pas d'importance. Là, j'arrive à la seule qui n'est pas allumée, me semble-t-il. On va voir s'il se passe un truc. Je vais garder les PM. Voilà. On va voir ce qu'ils font, les samouraïs. Oh, mais ça va. Ah, ça va. Non, mais... Il m'a pas tapé. Ah, décidément, j'arrive plus ou quoi? Heureusement que ça suffit, hein. Alors la dernière, je crois, hein. Ah non, il y a celle de l'entrée aussi.
Mais c'est très bien ainsi, on va dire. Si on regarde ça, je pense qu'elles sont toutes allumées. Ouais. Allumer toutes les bougies éclaire tous les alentours. Ça a l'air bon, hein. Le charme scellant le passage a disparu. Très bien. I have been waiting for you. This is the entrance to hell. Uh-oh. It's Baby Head. You wiggling worms. Have you enjoyed my little tour of hell? Actually, you're a lousy guide. Have you not learned that I am not a foe to be trifled with? I just think that's the coolest. Floating around like that. I wonder how he does that. Laugh while you can, my little ones. Soon you'll be shedding tears of pain. It must be the pillow he's sitting on. I'm sure of it. You think so? This is the last chance to plead for your lives. Anything you wish to say before you meet your deaths? Well? That pillow. Where can I get one? I will strip the flesh from your bones. Et on a aucun pour le prendre au sérieux, quoi. C'est pas la même là, on dirait, hein. Alors. Est-ce que je me transforme tout de suite maintenant ou pas? Je voulais attendre de buff, mais c'est pas grave. Comme il y a l'air d'avoir des bestioles. Je la trouve trop bien cette musique. Alors lui il fait plutôt des sorts, hein, me semble-t-il. Et cette fois-ci j'ai mon heal de groupe par rapport à la dernière fois. C'est quand même pas mal. On peut même faire un bouclier d'arc. Mais non, je vais me débarrasser de celui-là, si je peux. Voilà, comme ça c'est fait. Et elle, rage d'arc. Impeccable. Les deux buffs les plus importants, j'ai envie de dire. Voleur, arrête de voler. Alors, c'est parti, mon kiki.
Pas trop mal. On enchaîne avec Lucia. Il a l'air d'avoir pas mal de points de vie. Hein. Trop stylé cette compétence. C'est pas mal. Ça pourrait être mieux avec un meilleur buff. Ah, est-ce que je soigne ou pas? Putain, mais quand ça se fait qu'il agit déjà? Je voulais le prendre en photo, mais ça attendra. Hein. Putain, j'ai failli louper le truc. Empoisonnement mortel. Ah, ça a l'air de puer des pieds, ça. Attends, qu'est-ce que je voulais faire hein? Est-ce que ça se vire ce machin? Je pense qu'il vaut mieux que je le vire. Oh oui, c'est une très bonne idée ça. Parce qu'il agit dans pas longtemps. Ah mais non, dommage, Karine elle est derrière. Non, c'est pas grave. C'est vraiment dommage, mais bon. C'est ainsi, ma foi. Just for you. Petite photo. Périsette. Et il est ténèbre. Très bien. Là, je peux pas faire de combo parce que sinon je perds mon buff de 150%. Vous en conviendrez, ce serait dommage. Par contre, de crit ça, même s'il est tout seul, c'est bien. Trop bizarre là. Elle agit, elle va réagir avant l'autre. Je n'y comprends rien. Ah, j'ai oublié ça. C'est bien ça. C'est très bien même. C'est encore mieux quand on le rate pas. En vrai, ça sert à rien de rendre 200. Parce que s'il me les repique, voilà. Ça me volère. Ça, ça marchera pas. Par contre, le poison, ça peut peut-être passer, j'en sais rien. On va tester. Hein. Au culot. J'ai pas vu ce que ça a fait. Alors, là, il y a moyen de faire un truc vraiment pas mal. Thank you.
Ça va, j'avais encore ce qu'il fallait. Bah, je prends le risque qu'il y en ait un qui se fasse défoncer, mais c'est pas grave, j'ai envie de faire un max de dégâts en vérité. Donc on va faire un maxi combo. Parce que là, j'ai juste la combinaison parfaite, quoi. Ah, par contre, la gamine, elle est déjà à côté. Je sais pas. Ben si, je pense que je peux commencer avec elle, en fait. Logiquement, oui, vous essayez un combo avec 4 personnes. Oui, donc ça passe, en fait. Essayons. Pourquoi 0 dégâts? Il se passe quoi là? Qu'est-ce que j'ai foutu? Tour du numéro 2. Il se protège des sorts, en fait, tout simplement. Apparemment. Est-ce que c'était une bonne idée de continuer avec elle? Je sais pas, on verra. J'ai pas tenté le crit parce que je pouvais pas me permettre de rater là. Ça a juste augmenté le nombre de coups, ouais, il est... Comment ça j'ai pas la rage d'orc? Attends. Oh, je peux faire un truc comme ça, mais je sais pas si ça vaut le coup. Non, magie combo, c'est mort. Il résiste à la magie. Ça, c'est des dégâts physiques, c'est bon. Combien il me reste en PS? Ouais. Oh, c'est passé. Impec. Là, il va être pas mal, je pense, niveau dégâts, parce que normalement, j'ai les 150%. Parfait. Ok. Qu'est-ce qu'il lui reste? Il doit lui rester à peu près 1500, 1700. Ça peut passer niveau PS. Ça peut carrément passer. Par contre, je vais rebuff un petit peu parce que là, ça va être chaud. Hein. Déjà, j'ai peu de buff d'attaque. Mais ça, c'est pas très grave. Je pourrais le refresh après. Ça paraît ridicule par rapport à tout à l'heure. On s'habitue vite à faire des 1000 plus, hein. Just for you. Très bien. Très, très bien ça. Ah, plus de PM. Lucie, elle a encore suffisamment, c'est parfait. Ça
vrai que j'en ai pas rendu beaucoup, elle. Karine est aussi bas? Ok. J'ai peut-être un peu mal jaugé ce qui me restait. Bon, 1200, ça va. Faut pas que je traîne trop non plus, hein, parce que là, il y a beaucoup de trucs dans le jaune ou le rouge. Bon, ça me plaît pas trop. Hein. Putain. Quel échec. Je réfléchis. On sait pertinemment qu'elle, ça sert à rien de balancer des sorts, ça lui fait que dalle. Donc, autant donner des PM à celui-là. Qui va pouvoir faire des vrais dégâts, quoi. Attends. Là, c'est pas bon, il va passer dans le rouge. Après ça. Oui. Donc, on combatte avec elle. Ça commence à être chaud au niveau PS. Hein. Il faut que je termine là ou que je les recharge. J'aurais pas assez pour finir. Et avec la gamine, il va falloir que je recharge ses PS. Le problème, c'est que si je fais ça... Oh, ça va être hyper chaud, hein. Je crois que je me suis mis dans une sauce monumentale. Tout dépend de ce coup. Cent quatre-vingt-dix, zut. Ça va le faire. Parce que normalement, j'ai pas besoin de soigner là. Tout simplement que. Ah, si, j'ai besoin de soigner. Je pensais pas qu'il agirait aussi vite. Mais ça va quand même le faire. Parce qu'elle aussi, elle agit. Il me faut juste une attaque de plus, mais je peux pas compter sur les dommages pour ça. Voilà. Je vais pas comboter.
Merde. Merci. Oh bien, empoisonnement 3. Une marbasse. Anyway, he never did tell us where he bought that pillow, did he? You really wanted to know? Okay, everyone, we're here. That's Inugami Village. Il y avait deux chemins quand même dans la forêt. C'est une petite cataracte.